Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Oui, cela est possible. Vous me voulez réaliste ? Eh bien moi, je demande l'impossible. Et je veux une foule de doigts. Le numéro 5 qui multiplie son enchère par 2. Le numéro 31, le 70. Bienvenue au Palais de la Femme. Vous avez tous répondu présent ce soir pour faire de cette nuit de la philanthropie une grande soirée de solidarité. Que serait notre pays s'il n'y avait pas ces millions de personnes qui aident leurs concitoyens? Nous sommes aussi invités à retrouver l'esprit qui habitait en fait celles et ceux qui ont cru que l'impossible pouvait devenir possible. Cette capacité à pouvoir croire qu'au bout de n'importe quel tunnel, quel que soit le tunnel, il y a de la lumière. Je ne sais pas si c'est beaucoup pour vous, mais pour moi c'est énorme d'être là ce soir. Et on est très contents et très fiers de pouvoir être engagés aux côtés de l'Armée du Salut. Tous ces projets visent à apporter une aide d'urgence, mais également des solutions de long terme. Saviez-vous qu'il faut en France 6 générations à une famille pour s'en sortir? Il est vital de nous permettre de continuer à changer le regard qui est porté sur les personnes que nous accueillons. Pendant plus de 12 ans, j'ai accompagné quotidiennement des femmes qui avaient été maltraitées, des enfants qui avaient été battus. L'exploitation sexuelle, l'exploitation domestique, l'exploitation par le travail. Comment peut-on, en 2018, continuer à être témoin de cette situation sans la combattre et sans la dénoncer? Dans le dispositif social, ce qui manque, c'est la bienveillance et la compréhension. Ce que l'on veut, c'est proposer une solution à celles qui ne viennent plus vers nous, leur tendre la main. Wow. Nous sommes tous confrontés un jour ou l'autre à la solitude et à l'isolement de nos aînés. 500 euros, y a-t-il quelqu'un? 245, 228, 154, 258, 36. Je vais déchirer les notes. Bravo, Soulé, merci. Je compte vraiment sur vous, on peut vraiment, vraiment, vraiment faire bouger les choses. Nous avons besoin de votre soutien pour que ce projet passe du rêve à une belle réalité. Et j'espère que vous ferez ces gestes pour eux. À 1000 euros, le 279, le numéro 259, le 69 par 3, merci à vous, merci infiniment. Vraiment un grand merci pour ce soir, pour ce que vous nous avez donné. Au nom des 2500 salariés de la Fondation et au nom des 3800 bénévoles. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Merci. Je voudrais que cette assemblée n'eût qu'une seule âme pour mâcher à ce grand but. À ce but magnifique. À ce but sublime. L'abolition de la misère.